Mountain.
Hallelujah.
beaucoup. Célébrons-le par les acclamations, les cris de joie. Tokumisie na maboko pe ko ganga le Seigneur. Du grand roi. Na lokumu ya mokonzi monene. Tofandi na présence na ye parce qu'il a dit là où deux ou trois sont réunis, il est là parmi nous. Nous sommes réunis en son nom. Veuillez nous rasseoir dans sa présence car il dit si Kami balemisa tu basangani na kombo na ye azawana. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Papa na kombo na Yesu Masia to pesi yo lokumu. Merci parce que toi tu savais ce jour. Matondo pwete yo yebaki mokolo oyo. Et tu as convoqué et tu l'as dénommé école de guérison. Ta parole m'a dit dans Ésaïe 61:2. Tu es venu pour proclamer l'année de la grâce et le jour de la vengeance. Le jour de la vengeance pour afin que ton peuple soit consolé. Cependant, sous l'autorité de cette parole, que toute maladie en ces lieux soit vengée par toi. Amen. Parce que tu as dit la vengeance t'appartient. Pour être habillé comme c'est tout mozali ayo. Maladie mon côté est bima awa. Amen. Parce que tu as envoyé ta parole et la parole a guéri. Pour être digne ayo l'obapeli l'obano ebikisi. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Matondo pona molimo na yo kasi. Saint Esprit des dieux. Molimo santu nanzambe. Nous t'assistons encore pour glorifier Jésus ce matin. Toye kosa na yo mosala pona kozongisa lokumu na Yesu na. Glorifie Jésus dans l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Pesa lokumu na Yesu na molimo elema benzoto ya moto moko. Et que toute la gloire revient à seul Jésus. Lokumu nyo sezongela kaka Yesu. Merci papa au nom de Jésus-Christ au Sambeli amen. Amen. Nous acclamons l'Éternel. Je rends toute la gloire à Jésus pour ce privilège qu'il m'a donné de se tenir encore devant vous ce matin. Et je bénis Dieu parce que nous tous ici, nous sommes des bénéficiaires de la grâce des dieux. Et je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée au travers de son apôtre établi. Et merci aussi à Dieu pour vous qui êtes là ce matin. Parce qu'il a dit ici ce matin, il a envoyé sa parole aujourd'hui pour te guérir ce matin. Il n'y a pas de bombe en Galate. Alors pourquoi mon peuple azo qui m'a parti par là? Pourquoi mon peuple sur qui il s'est là? Dieu s'inquiète. Zambaza komi tungisa. Il s'inquiète, il dit il n'y a pas de bombe en Galate, en Sion. Alobi komi tuna ezo ko ebiki sakezali ate na Sion. Parce que la compassion de Dieu est ce matin. Pwete mawana nzambe na tongo na lelo. Je crois. Nantimi. Voilà pourquoi je déclare na que toute maladie ici ne sortira pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le pomme est en disposition ce matin. Nalombango toke na parole prophétique na biso elobi réflexion pour le changement positif. Rapidement dans notre parole prophétique elobi kokanisa pona kobongwa na kokoma na lunga malamu. Dans le mot réflexion, na synonyme nango ekokio za la pensée. Ekoki kotali sa makanisi. Synonyme ya réflexion mususu ezali examiner. Synonyme ya réflexion mususu ezali kotala makambo malamu. Synonyme mususu ezali prendre conscience. Mususu ezali kozwa conscience. Dans réfléchir, na définition elobi se concentrer son attention sur quelque chose. Kokanisa na lolenge nango ya kopanzela ki kochama kanisi likolo eloko moko pona kososola. S'il vous plaît, si vous pouvez jouer I am the Lord that healed. Donc ce matin nous allons voir en peu de temps qui nous a donné le Saint-Esprit.
Réfléchir dans la parole de Dieu pour la guérison instantanée. Quand on dit réfléchir, c'est-à-dire prendre conscience dans la parole de Dieu. Tu te concentres sur ça pour ta guérison instantanée. Parce que à chaque fois que Dieu voit son peuple dans le malheur, Dieu se conjugue au présent. Il a vu le malheur de son peuple. Il a envoyé Moïse. Il a dit, va dire à Pharaon, je suis. Quand Dieu voit le malheur, sa compassion vient dans le présent. Voilà pourquoi c'est maintenant. Quand il ferait guérison, parce que Jésus a vu ton malheur. Jésus a vu cette oppression. Jésus a vu cette souffrance. Lui veut se conjuguer au présent maintenant. Et toi aussi, mets ta foi au présent. Ok, il y a Ézéchiel 37, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. Parole de Dieu ensemble avec le lecteur. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. Nous lisons la version Parole de vie et Lingala. Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a amené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Yahweh atiaki liboko na ye likolo na ngai. Molimo na ye amemi ngai na se ya bangomba. Na esika moko etonda na mikua. Verset 2. Le Seigneur me fait le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs. Yahweh atambwisi ngai bipai nyonso na kati ya mikua yango na se ya bangomba. Ezalaki ebele penza. Verset 3. Alors le Seigneur me demande, dis-moi l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Bongo Yahweh aduningai, yo moto, okanisi mikua oyo ekoki kozonga lisusu na bomoi. Nous pouvons nous arrêter là. La parole déclare, le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit, il y a l'esprit de Dieu en ces lieux. Son esprit m'a amené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs. C'est matin. Le Saint-Esprit te présente cette situation. Mais nous avons dit ici réfléchir dans la parole de Dieu. Le verset 3, le Seigneur demande. Il te pose la question ce matin. Est-ce que cette maladie peut disparaître maintenant? Alobi, dis-moi l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que rhumatisme wana ekoki ko limwa? Est-ce que ce rhumatisme peut disparaître? Est-ce que prostate wana ekoki ko disparaître? Ces prostates peuvent disparaître. Le Seigneur te pose la question. À chaque fois que nous sommes devant la parole de Dieu, prenez la parole de Dieu pour vous. Soit l'ilobalanzambe pona yo. Soko sotanga liloba ozomona Ézéchiel, tu es dans la religion.
Quand tu vois Ézéchiel dans ses livres, Osana Katia Biyama. La parole de Dieu, le Saint-Esprit t'a emmené maintenant. Dengozawana, tu es dans la réflexion. Azotalisayo, oppression diabolique wana, ola la kate. Osomona bantité démoniaque basoya kofinayo kingo. Et ce matin, le Saint-Esprit t'amène face à cette situation et tu vois clair et net ce qui te tourmente. Osomona bato ici bakufana. Tu vois des hommes déjà morts la nuit. Mais le Seigneur te parle ce matin. Est-ce que toi, l'homme, yo moto, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que mikuwa o ekoki kobika lisusu? Est-ce que tu peux être restauré ce matin? Est-ce que ton loko songa lisusu ndenge ozalaki? J'aime la réponse. Il a dit, je lui réponds. Alobina yano liye. Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Kolonzambe yonde oyebi. Ici, le prophète a vu que Dieu peut tout. Awa mosakolia moneke denzamba kosa la nyoso. Yango na tongo ya lelo. Voilà pourquoi ce matin. Selon dengue yo oko prendre conscience ya parole de Dieu. Selon la façon dont tu vas comprendre la parole. Dengue yo nde oko vivre guérison na yo kakasiko yo lobité. Il en sera de même la façon dont tu vivras la guérison aujourd'hui même. Parce qu'il a dit le jour de l'exaucement c'est aujourd'hui. Le temps favorable c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Regardons la suite quand Ézéchiel a bien vu, a bien répondu. Autrement dit, Ézéchiel a pris conscience que Dieu peut tout. Il n'a pas vu l'impossibilité. Na verset 4, ma commis Elobi. Verset 4, version parole de vie. Il me dit alors, parle à ces eaux comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Alobi nangai, sakola na kombo nangai, loba boye na mikuwa yango, mikuwa ya koka uka, boyoka maloba ya Yahweh. Écoutez la parole du Seigneur. Yoka liloba na Yahweh. Parce que la parole du Seigneur a la puissance. Wete liloba na Yahweh sana nguya. Nous sommes 107:20 à l'obi, il envoya sa parole. Banzembo alobi tatinda ki ya liloba. Et sa parole les guérit. Pe liloba wana ebikisi bango. La parole les fit sortir de toute force. Pe bimisi bango na mabulu nyonso. Ya Nzambe ayebisi prophète awa. Voilà pourquoi Dieu dit au prophète. Nzambe azoyebisa yo pe prophète par la rédemption. Et aujourd'hui Dieu te parle de même. Écoutez la parole du Seigneur. Yoka liloba na Yahweh. Na verset 6 na lombango alobi, je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vais vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un souffle de vie. Et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Naboye alobi, nakotia misisakati nabino, nakoboti sa posope misuni, naboye bokobi kape bokoye bete nazali nzambe. Je dis ces paroles de la part du Seigneur. Nalobi maloba oko uta na Yahweh. Comme il me l'a commandé. Le lenge asenge ngai. Pendant que je parle. Wana na zoloba. Nalingi mutu soke sa Bible na yolobi souligné pendant que je parle. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit. Celui d'objet qui remue. Les eaux se rapprochent les uns des autres. Pendant que la parole de Dieu est en train de sortir ce matin. Et cette chose-là. Qui te dérange? Elle disparaît au nom de Jésus. Et ça la décomposition et ça la mine à katia ba organe ba intestin na yo ba intestin na yo. Attaque au katia na yo si un bébé est pendant. Ba intestin na yo est comme décomposé. Tes intestins sont pendant décomposés. Pendant que la parole du Seigneur est en train de sortir maintenant. Wana li lobezo bi masiko yo. Dans ces os à la récomposer. Na sengye zonga. Comme a été au commencement. Le col est là qui ne bandeli. Dans le nom précieux de Jésus. Na kombo ya nguya ya Yesu. La réflexion de dans la parole de Dieu met fuite aux pensées humaines. Quand tu réfléchis la parole de Dieu,
C'est-à-dire tu prends conscience. Ninga to lobi réfléchir synonyme na ezali prendre conscience. Ezali komi tia penza kozwa mambano na mekanisme na yo. Prendre conscience de la parole de Dieu. Dango sosoli liloba na nzambe. Ma pensée humaine ekokyo fandati. Les pensées humaines ne peuvent plus demeurer en toi. Si nous pouvons voir ça dans Matthieu 9, 21, la femme à la perte de sang. Ce qui te côté la moi Matthieu, moi si akotangi samakila. La femme à la perte de sang avait réfléchi. Moi si abande kotangi samakila kanisa ki. D'abord, elle avait écouté. Yiboso ayokaki. Ayoki ke Yesu azoleka. Elle a entendu parler de Jésus. Ayoki makambu Yesu asalaka. Elle a entendu ce que Jésus faisait. Elle a réfléchi. Naboya kanisi. Elle a réfléchi en elle-même. Katina yé ami tiena makanisi. Elle a dit que si je peux seulement. Alobi soki na koki kaka. Toucher. Kosimba. Je serai guéri. Naboy na kobika. C'est ça que nous appelons réfléchir dans la parole de Dieu. Yango ende tozobenga komaniola na katia liloba na nzambe. Personne n'a écouté cette femme. Mutumo kote ayokaki mwasi wana. Mais dans le monde spirituel les pensées parlent. Kasina mokile molimo makanisi elobaka. Psaume 23 7 et Zoe sabiso tu es ce que tu penses. Buku ya banzembo elobi ozali oyo yo kanisaka. Parce que yé a kanisa kibongo. Parce qu'elle avait réfléchi ainsi. Et guérison na yé et yaki instantanément. Du coup, elle avait réussi sa guérison. Parce qu'il a écouté la parole comme vous et moi quand on écoute ce matin. Et pas na yé Jésus passé. Mais ce matin, Jésus ne passe pas. Jésus est en vous. Jésus est au milieu de nous. Si cette femme, Jésus passait, elle a accédé à sa guérison instantanée. Ce matin, Jésus ne passe pas. Jésus vit en dedans de toi. Jésus est au milieu de nous. Si tu peux seulement prendre conscience de sa puissance créatrice. Peu importe la chose là est cachée. Elles ont la remplacé par le guérisseur ce matin. Elles ont zomba si kanalo biko na tongo na lelo. Matthieu 9 21 totangi kaka 21 wana. Matthieu chapitre 9 verset 21 version parole de vie. En effet, elle se dit si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Elle se dit, mais ami normalement, elle n'a pas parlé. Mais ses pensées ont parlé. Parce que dans le monde spirituel, comme on a dit, les pensées parlent. Si seulement dans le monde physique, c'est seulement dans le monde physique que nous voyons voilà les paroles. Voilà pourquoi ce proverbe a dit. L'homme est ce qu'il pense. Donc comme tu penses dans ton cœur. Ainsi tu es. Si ce matin. Tu penses. Que Jésus. Et Yesu, maintenant. Sikoyo, peut me restaurer. Par la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Tu deviendras cela maintenant. Guérison otokomona esa pensée na yo. La guérison que nous voyons c'est ta pensée. À part la foi, hormis la foi, il y a les pensées. Ezali pena makanisi. Dans mon somoni mutoza guéri. À chaque fois que tu vois une personne guérie, il a pensé. Et la qui c'est ta kanisa. Il a pensé que maintenant assez c'est assez. Akanisa ki te sikoyo eleki eleki. Matthieu chapitre 9 verset 21 version anglais facile. Elle était en train de réfléchir. Alléluia. Amen. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Elle était en train de réfléchir. Asalaki na kati ya kokanisa. Nalingi kaka ndengo sesika wana. J'aimerais que tel tu es là. Tu vois la grandeur de Dieu. Banda komona monene ya Nzambe. C'est lui qui a dit dans sa parole. Ye alobi na makomi na ye. Il a pris tous les infirmités. Cette femme, Jésus passait, mais Jésus maintenant est en toi par la rédemption. Au cas où aussi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce n'est pas trop tard. Il est au milieu de nous parce que cette femme aussi n'était pas dans la rédemption.
Commence à réfléchir cette parole. Qu'il est venu pour guérir toutes les maladies. Lui n'a pas parlé de maladies incurables. Même si ton rein est détruit. Lui il est venu guérir toutes les maladies. Je sais que le Saint-Esprit est au na Ézéchiel 37. Je sais que le Saint-Esprit que nous venons de lire dans Ézéchiel 37. Il t'a déjà emmené dans ces dans cet endroit-là. Asi a memiyone sikawana. Boyo omonabe o répondre le comme le prophète a répondu. Pour que tu vois et que tu parviennes à répondre tel que le prophète avait répondu. Lingala na bomoi, Matthieu chapitre 9 verset 21. Pambate akanisa ki ete. Soki na simbika ka elamba na ye na kobika. Akanisaki alovite. Akanisi. Elle a juste réfléchi. Et je bénis Dieu pour la parole prophétique. Na pamboli nzambe pona lilobali sakoli. La parole prophétique de ce matin. Lilobali sakoli atongo na lelo. Ezoke ndeko se réaliser maintenant. Elle s'accomplit maintenant. Réfléchir pour le changement positif. Et réfléchir dans la parole de Dieu. Et parce que c'est l'école de guérison, c'est pour ta guérison instantanée. Et Jésus l'a fait à cette femme instantanément. Il est le même. Hier et aujourd'hui, ta guérison est instantanée. Ta restauration est instantanée. Maintenant, nous allons réfléchir parole de Dieu maintenant. Parce que tu réfléchis à la parole. Oppression wana esa expiré ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comment réfléchir dans la parole de Dieu? Deux points. Comment réfléchir dans la parole de Dieu? La première chose, il faut voir. Jérémie 1, 11 à 12. Comment réfléchir dans la parole de Dieu pour recevoir ta guérison? Jérémie chapitre 1er, verset 11 au verset 12e, version parole de vie. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, Dayo Samuel, Gauthier, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. J'ai répondu, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. 12. Le Seigneur m'a dit, tu y as bien vu. Alléluia. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. T'as demandé, qu'est-ce que tu vois? A tout na ki e nini ozomona. Ce matin aussi, Dieu te demande, qu'est-ce que tu vois dans ma parole? Tongona le lon zamba zo tout na ope nini ozomona kati ya maloba na ngai. Lui, il a dit ici, nous a introduit na introduction que il n'y a pas de baume en Galate. Je peux voir le cœur de Dieu en parlant cette parole. Il s'inquiétait à l'époque parce que les enfants d'Israël allaient voir des autres choses. C'est il sert malin. Okimi kimi et pas ba mama o ifo batalis. Tu es allé voir les tradis patriciens. Mais Dieu s'inquiète ce matin. Samba zomitu. Il a dit il n'y a pas de baume en Galate. Alors bien tu es mati tu bi kisa ke zati na Galate. Alors comme Jérémie il te demande que vois-tu? Belo ko la Jérémie a tunio ninyo zomona. Que vois-tu ce matin dans sa parole? Ninyo zomona na kati ya makomi na ye. Tu vois un Jésus faible ou un Jésus toujours puissant? Tu vois quoi dans la parole de Dieu? La parole de Dieu n'a pas dit sur commun âge mon compte faut m'adopter la maladie. La Bible n'a pas dit qu'à un certain âge tu dois être souffrant. Là c'est le monde. Voilà. La parole de Dieu n'a pas dit ça. Le moni ba prophète et ancienne alliance jusqu'à 80 ans, 90 ans, ils étaient toujours vigoureux.
Tomoni basakoli aboyokani ya kalatina batangu ya mikolo bazalaki na makasi. Soki yo omoni yango ndenga sotu na yo que vois-tu? Si réellement tu vois tel qu'il te pose la question. Si na age na yo ya mobange. Jusqu'à ta vieillesse. Okolak sa force na yo. Tu démontras ta force. Il faut voir. Il faut d'abord voir. Avant de réfléchir, il faut d'abord voir dans la parole de Dieu. Exemple, Jésus a dit dans sa parole, dans l'Apocalypse 1:18, il tient les clés de la mort. Jésus a dit, il tient. Asimbi. Yende akende ko botola. Et lui qui est allé ravir les clés de la mort. Fungola yesika yaliwa. Alors quand tu vois cette parole, tu ne peux plus réfléchir la mort. Okokisus kokanisa liwa te. Parce que ton Seigneur ne peut pas l'utiliser contre toi. Si Jésus tient les clés de la mort, personne ne peut arrêter ta vie ici sur la terre. Aucun diable ne peut t'arrêter. Il y a une autre révélation de la vie éternelle qui nous a été injectée. La vie éternelle, c'est la vie illimitée. Ce n'est pas seulement la vie au-delà. Jésus t'a donné la vie supérieure. Jésus t'a donné la vie que personne ne peut arrêter. Alors quand tu vois cette parole, tu vas commencer à réfléchir. C'est pourquoi les chrétiens de dernier temps, les enfants de Dieu, ce sont des chrétiens passionnés de la parole de Dieu. Parce que l'arme qui va bouleverser, qui va tourmenter l'antichrist, c'est la parole révélée dans ta bouche. C'est la parole révélée dans tes pensées. La première des choses, nous avons dit, il faut d'abord voir la parole de Dieu. Et loko ya liboso to lobi fo mona lilo bana nzambe. La deuxième des choses, et loko ya mibale, c'est croire. Ezali kondima. Et agissez. Peko sala mosala. Na lingi to zwa Hébreux 11:1 wana na parole vivante. Surtout la partie B. Tout verdict de la mort ce matin. Parce que Jésus tient les clés de la mort. Ce verdict est avorté au nom de Jésus-Christ. Et précocement. Tout ce qui décrète ta mort précoce. Agent nyosoya diable o alingi arrêté fina yo. Tout agent du diable qui vient arrêter. Parce que Jésus tient les clés de la mort. Ce verdict retourne à l'expéditeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alobi, il est venu annoncer le jour de la vengeance. Alobi, ce jour de la vengeance est pour tout ennemi de Dieu. Amen. Ennemi nyosoyanzambe. Tout ennemi de Dieu. Le jour de la vengeance est maintenant. Mokole a kosa ki sesa lelo. Vengé eloko wana. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1er, version parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Alléluia. Amen. Croire en Dieu, c'est être persuadé. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère et être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Amen. Au moni prophète Ézéchiel. Tu vois le prophète Ézéchiel. Les eaux étaient décomposées. Miku esi epanzanaki. Il a réfléchi selon Dieu. Akanisi lokola nzambe. Et dans sa réflexion, il y avait la foi. Et nakati amakanisi na ekondi mezalaki. Que ces choses étaient makambo peuvent revivre. Eko zonga na bomoi. Lingala ya lelo Hébreux 11 verset 1er.
soki moto azali na bondemi asi azui eloko oyo atiela kamotema ayebi makambo oyo emonanaka na miso te na tango ya kala nzambe andimaka bato mosusu po na bondemi na bango. Amen. Amen. Il faut d'abord voir. Et sengeli liboso omona. Et quand tu vois, sima ya komona, tu n'as pas de choix. Ozali na choix mosusu te. Pour croire ce que tu vois. Pwete onzima oyo yo moni. Il faut ce matin que tu voies ta guérison. Tomona lelo somona lobiko na yo. Il faut que tu voies ta restauration. Omona ndenge bomo na yo ebongi. Il y a quelque chose qui s'est passé dans Jean 11. Et ça n'est loko moko esalamaki na Jean 11. 23 à 25. 23 à 25. Jésus voulait que Yesu alinga ki ete Marthe voie d'abord. Marthe amona liboso. Jésus lui a dit que ton frère va ressusciter. Yesu ebisi ete ndeko na mobali akosekwa. Lui, il a conjugué Jésus au futur. Ye a dali Yesu na makambo ekoya. Parce que nous avons dit ici, à chaque fois que Dieu voit le malheur, il se conjugue au présent. Marthe a conjugué au futur. Marthe a dali Yesu na lolenge ya komakoya. Alobi, je sais, il va ressusciter au dernier jour. Alobi na yebi akosekwa me mokolo ya suka. Jésus lui a dit. Yesu alobi na ye. N'est-ce pas que je suis la résurrection et la vie? Ezate ke nazali lisekwa pe bomoi. Ce n'est pas demain, je suis venu maintenant. Ezali lobi te na yede lelo. Pourquoi toi tu me conjugues au futur? Pona nini ozotia makambo na ngai lobi? Moi je suis venu pour que tu aies ça instantanément. Na na ye pwete ozwa yango sikoyo. Et quand Marthe a vu la résurrection était là. Et tango Marthe a moni lisekwa. Marthe a cru. Na boyanzimi. Et son frère est sorti de la tombe. Ya yende kwa bimina kuda. Tel que tu vois Jésus maintenant. Il est la résurrection et la vie. Azali sekwa te bomo. Peu importe bokono wana. Atako maladi wana. Makila wana. Maladi wana ya makila. Cette maladie sanguine. Cancer wana. Cancer. Tuberculose wana. C'est tuberculose. Les autres disparaître. Et solimwa. Parce que la résurrection est au milieu de nous. Pwete lisekwa zaka di abiso. La vie est au milieu de nous. Bomo ya zaka di abiso. Marthe a vu. Marthe a moni. Jésus voulait l'emmener d'abord de voir. Yesu alingaka memene bimelo ya komona. Parce que lui, il est conjugué au futur. Pwete ya bandai kotela makambo na lolenge koya. Kokyo tanga Jean 11 pour qu'on voie comment Jean chapitre 11 verset comment réfléchir dans la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 11 verset 23 à 25. Nous lisons la version Louis II. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Alléluia. Yesu alobi na ye. Ndeko na yo akosekwa. 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe, à cette étape, Jésus ne pouvait rien faire. Parce qu'il voulait emmener la femme à voir comme lui il voit. Amen. Et puis Jésus a continué. 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe a son guisselier. Na yebiete akose kwa tango nzambe akose ku sabato na mokolo ya suka. 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. Amen. Amen. Celui qui croit en moi. Oya ndimeli ngai. Ezala mutu moko lobi. Na yebi ki akobika soki asili sikuro tiki na ndako. Tu connais qu'il y a une personne qui sera guérie après avoir fini sa vie. Tu es ici, tu as laissé une maladie à la maison. Et tu t'es dit que la personne mais sera Jésus guérie après avoir fini sa vie. Mais je te parle ce matin. N'est-ce pas que je suis la vie maintenant? Je suis la guérison maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant que ça va se passer. Alors, on a changé perception non à tongo ya lelo. Voilà le lingo changé comme Sokutaye guéri à l'instant même. Tu iras le trouver guéri. Tel que la parole sort. Tel que yo omoni guérison parmi nous. Tel que tu as vu la guérison. Jésus qui guérit, il est au milieu de nous. Yesu abiki sakasa. Le lingo wana okokende ko contrôler nandaku. De même tu iras contre le chef.
là où il est. Alobi, je suis. Alobi, nazali. Pas je serai. Na koza la te. Je suis. Nazali. La guérison. Lobiko. La résurrection. Mais c'est quoi? La restauration. Kosondi sa makambo. Lelo. Aujourd'hui. Na tongo ya lelo. Ce matin. Ozo soit guérison na yo instantané. Tu reçois ta guérison dans à quoi ça? Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais la dernière étape, c'est maintenant agir la parole de Dieu. Nous avons dit pour recevoir, pour comment réfléchir la parole de Dieu pour recevoir ta guérison instantanée. Il faut voir. Tel que Jésus a vu et il a fait en sorte que il faut croire et il faut agir. La foi ne s'arrête pas, la foi c'est toute une marche. Maintenant pour agir. La louange et l'adoration. Ce n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas quelque chose dont ça la carotte la motei aya. C'est pas quelque chose que tu le fais avant que le prédicateur ne monte. Ce n'est pas quelque chose pour essepelisa sentiment na yo âme na yo nzoto na yo. C'est pas quelque chose qui va te plaire au dedans. C'est un acte de foi. Alors comment pour vivre le changement positif? Après avoir vu. Après avoir cru. Tu vas agir. Tu vas agir comment? Tu vas proclamer les bontés de l'Éternel. Abraham contre toute espérance. Il louait Dieu. C'était un acte de foi pour lui. Aussi remonie que tu es déjà guéri. Tu t'es déjà vu guéri. On t'a dit que tu ne passeras pas 65 ans. Maladie wana balobi na yo etikali na ngonga mike okufa. On t'a dit que cette maladie ne te reste que peu de temps à vivre. Après avoir cru. Si moi on dit tu vas démontrer ta foi. Okoteli si ayo kondi. Okokumi sanzambe. Tu vas louer Dieu. C'est pourquoi j'aime les louanges de la nation nigériane. Dans la tina la linga okokumi sanzambe ya mboka ya bato nigériens. Les cantiques qui sont imprégnés de la parole de Dieu. Malgré que tu vois le contraire. Parce que la foi n'a pas de plan B. Ozawana balobi attendenge c'est comme bongo ndimaka kabasala yo opération wana. Par rapport à ton cas, on te dit de passer à une opération. Parce que zoyo ka toujours passe. Parce que tu as des douleurs. Malgré que tu as vu la parole. Atomoni liloba. La parole a dit que liloba lobi été. Il a pris toutes les infirmités. Aso ki abiso mikaka. Tu sens le contraire. Osomona kote le mera. Maintenant tu vas louer Dieu. Sikoyo kokumisa nzambe. Josaphat était confronté. Josaphat a coûté la kinamaka. Dans 2 Chroniques 20. Dans 2 Chroniques 20. À Sambeli. Il pria. A jeûné. Il a jeûné. Maintenant pour démontrer sa foi. Bon aïe koteli sa kondima. Il a engagé. A tchaki. Des chantres de l'Éternel. Ba yembi ya nzambe. C'était une action pour lui pour démontrer la foi. Ezala ki pona yelo lengi a koteli sa foi. La foi ne se limite pas que j'ai cru. Tu vas commencer à proclamer les bontés de l'Éternel. Les gens disent le contraire et toi tu agis contrairement. Tu te lèves le matin, tu commences à louer. Là tu engages l'intégrité de Dieu. Ce matin, tu démontreras ta foi. La douleur que tu as. Tu vas l'ignorer. Tu loueras Dieu pour son intégrité. Louer Dieu, ma cantique wana eso uta na esprit na yo. Et ces cantiques proviennent dans ton esprit. Et tu loues Dieu selon la parole de Dieu. Et oso kumisa nzambe engebene lilo balanza. Pas seulement que oso bina comme kobina ya pambate. Non seulement danser ordinairement. C'est ça que nous appelons réfléchir dans la parole de Dieu. Yangonde to bengi ko kanisa katia lilo balanza. Na tsomwa lelo oso telema. Ce matin tu vas te lever. Ézéchiel 37 wana. Si nous revenons à Ézéchiel 37. Le Seigneur a dit, dis au souffle de vie. Kola lobi, lobela mon pépé eya. Le Saint-Esprit est déjà au milieu de nous. Déjà katina biso.
Le Saint-Esprit est en train de glorifier Jésus dans ce corps. Moli mo santo aso kembela Yesu na nzoto wana. Na moi mokie na songe moko na zwaka. J'avais reçu un songe. Dans ces derniers temps, c'est que le diable fait. Na mikolo ya suka nini Satan azo sala. Il est en train d'injecter beaucoup, beaucoup des épidémies de maladies. Naboye Satan aza kobwa ka ba maladie ebele ebele. Et Dieu par sa sagesse multivariée. Nzambe na bwanya na ye oyo ezali ebele. Il est en train aussi de oindre ses hommes et ses les envoyés de Dieu par l'onction de guérison. Naboye azali kopakola batinda mina ye ne pakwa ya kobikisa. Parce que là où le mal s'accroît, la grâce surabonde. L'onction de guérison est disponible ce matin. L'homme de Dieu viendra ici. Mais l'onction du Saint-Esprit est déjà là. Tu palperas cette chose, tu ne vas plus le toucher. Tu ne vas plus retrouver ces kystes. Par la sagesse multivariée de Dieu. Nous allons encore recevoir la parole par la porte. Le prophète Ézéchiel. Il va déclarer et il va dire au souffle de vie. Cette chose là, moi je crois. J'aimerais que tu joignes. La chose là va expirer ce matin. Assez, c'est assez. Et l'équipe refuse de subir les assauts du diable. Refuse cela ce matin. Sois révolté. L'onction de guérison est ce matin. Non pas quoi le bico sawa. Wana prophète établi à sauter les maawa. Et l'onction de guérison et des miracles est disponible. Continuez comme était la Yesu Masia Maboko. Alléluia. J'aimerais que tu élèves demain là, tu es. Ce matin, nous avons déjà reçu la parole de Dieu. Zambé a évisé Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise-toi. Sakola. Mais quoi, oyo et kauki? Les ossements desséchés. Et bandé ko bouger. Commencèrent à bouger. Ça dit parole. L'iloba. Et kouki ko fait bouger yonso. Pesekoué toutes choses. Et ko fait bouger maladie et bimi. Et ko fait bouger guérison pe et koti. Elle peut enlever la maladie, faire pénétrer la guérison. Et mikwa oye kaoki nanzela parole prophétisée et lati mosuni. Les ossements desséchés ont repris chair par la parole. Souffle koti. Moupepe koti. Restauration à 100% et salami. Il y a une restauration à 100%. Yango parole Yesu Masia lobi. La chair profite de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mes paroles sont esprit et sont vie. Nangonga to komi oyo. Durant le cercle que nous sommes, il y a distanciation. Il y a kocha mosika. De nombreuses choses. Moi nzambe ya solo. Tout vrai enfant de Dieu. Il faut à la moi nzambe ya kondima oyo. Parole et wuti musika ondimi ango omoni bikamwa pe salami. Amen. Alléluia. Et comme makamuya parole. À la lire ouvrant les choses, il n'y aura plus des impositions des mains, il n'y aura que des impositions de la parole. Tout ont été créés par la parole de Dieu. Mes paroles sont esprit et vie.
maloba na ngai ezali molimo mpe bomoi nalingi otombola maboko na yo place ozali elergiste malatu ato koti awa maladi même si tu es entré maladi ato koti awa opprimé même si tu étais opprimé nalingi na yesu yo j'aimerais te dire liloba ya zambe la parole de dieu ekoki kokota na kati ya nzoto na yo na minute oyo pe pénétrer ton corps maintenant cette dame moi si wana a réfléchi a kanisi mais a lobi si ce qui je peux toucher les bords de son vêtement ko simba songe je serai guéri nakobika yesu atali jésus regarda pain moi si ta foi ta guéri ya yo kontime biki yo pe na place aux ali dans il out tu es na minute oyo na lingo ye ba ke présence ya zambe za na kati esika amen il est partout azesika nyoso il est omniprésent azesika nyoso tombola maboko na yo lève tes mains dans sa parole se trouve la vie. Dans sa parole se trouve la guérison. Le biko ezali. Na minute oyo. Maintenant. Moto nyoso akoti na kati esika. Toute personne entre en maladie. Opprimée. Opprimée. Na maudire maladie nyoso na kombo na Yesu Masiya. Amen. Kobana na moto tina se ya makolo na yo. Nyoso etanga malade na lakeli yango mabe na kombo na Yesu Masiya. Na la au nom de Jésus n'a déclaré et n'a décrété guérison à eux à l'instant au nom de Jésus Christ de Nazareth. Même si c'est une projection. Ateze loko ba bwa kelio na déclaré na tongo alelo eza ôté au nom de Jésus. Eza ôté au nom de Jésus. Macho parakata gaya tege bele bele. E goli capato sopporta lia mashuza paya tagaba. Natanga kana yo natanga yangoti. Que je cite ton cas ou pas. E loko yonso ezo rendre yo mal à l'aise dans zoto wana. Tout ce qui te rend mal à l'aise dans ce cas. Na motirango e disparaît. Amen. Na lobi e disparaît. Amen. Na lobi e disparaît. Na kombo na Yesu Masiya. Ngui
Zambe et traversé Kobana na mututi na makolo. Que la puissance de Dieu te traverse de la tête. J'ordonne un miracle créatif. Na pesi nzela bikamwe salé. J'ordonne un miracle créatif. Bikamwa na poisson. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Ezala hemorrhoide wana na modira. Amen. Hemorrhoid interne. Musoma ya kati. Nalobi elakela mimabe. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Nazomo na bibon. Je vois un bibon. Bibon. Nati eloko ezobimna mutofina tufina. Zamnangai abi. Sedadi eloko ana ebimaka. Eke ebimi eke. Sedadi ebimaka kani wana ekauke apre ebimi ekauke. Zamnanga akangoliyo abikisiyo. Makreba medikamonyo swatibiotik ezo tosa teme na tonga lelo okangola mina kombo na Yesu Masia. Ono puissant de Jesus Christ de Nazareth. Amen. Toute maladie oyo babengi maladie du sang. Maladie na lakeli yango mabe au nom de Jesus. Maladie yoso ya makila elakela mima be na kombo na Yesu Masia. Mero sopotalia mashalato soprodia. Megala kataba ya tege mene mene mene. Amen. Esopori ya la mashuza paka la kata ya tabaya. Amen. Ekulmon de son wana ekatani na tongwa lelo au nom de Jésus. Amen. Alobi ekulmon wana du son ekatani na kombo na Yesu Masia. Amen. Atoza musika uzo la nabiso na lobi ekulmon de son wana na lobi ekatani na kombo na Yesu Masia. Amen. Mutumoko uzali wana uza awa tena kishasa uzali na exterior de la pays. Uzo la nabiso me uzana problem ya ekulmon. Tu as un problème de Zambe nangai abikisio akangoli. Amen. Yamba lobiko na yo yamba deliverance. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Il y a quelqu'un ici ozana problème parti. Soki bakaboli mutu na yo na deux. Parti moko ezako range yo passe na ngambu moko. Tu as une douleur partielle. Parti moko ozoyo ka passe na mutu. Dans la tête. O kangolami obikisami. Tu es délivré guéri. Nalobi o kangolami obikisami. Na kombo na Yesu Masia. Natanga kana yo natanga yangote. Que je cite encore. Yebake présence ya Zambe za partout là où tu es. Amen. J'ordonne ta restauration. Amen. J'ordonne ta guérison. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci mon Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. To sambeli. Amen. Amen. Obeteli Yesu mabuma kasi. Le temps de témoignage. Obetela Yesu maboko makasi. Frère Nabiso Christian Dayo, azana département à protocole, azope sanzame merci pour la guérison surnaturelle. Alobi à chaque fois qu'il y a un service comme Mabaki tiko classé ayoka ka douleur na niveau ya libumunai et so douleur wane badiko salaye akoka ba douleur généralisée mutu pasi au point même ko ta komi faible na nzoto na ebobimba mais alobi na mukolo ya femme féconde ba mama ba yaki ko luka bana ba yaki na ba pom mais ye kondima na ezalaki na gâteau. Aye na gâteau et tant que papa zo déclaré, yé pas zo déclaré l'icolo ya gâteau wana. Alobi gâteau na bongolio na kombo na commission nzoto ya Yesu. Nenge na zo lia yo boye, Nzambe azo kende ko lia biloko nyonso et sala kanga pasi. Bible lobi et sale mela lo lenge ondimi. Et tant que alié gâteau wana, alobi sur place ma douleur sili. Aye pelelo na tomo na service. A memi bakiti, attendi bakiti, albi, ba douleur wana et sa la kaye chaque fois. Et disparaître complètement, à sa complètement soulagé. Ya on a zopé sa te merci. Bete la Yesu Masia, maboko makasi. Notre bien-aimé Christian Dayo du département des protocoles vient dire merci à Dieu. Car à chaque fois qu'il arrive au temple des signes et prodiges pour arranger les chaises, il a souvent des atroces douleurs. Et ce n'est que dans notre service des femmes fécondes, quand il était venu dans son service, pendant que les femmes fécondes avaient des pommes, lui avait un gâteau entre ses mains. Et pendant que l'homme de Dieu bénissait les pommes,
lui, il recevait cela pour les comptes de son gâteau pour la guérison. Et quand il a agi à conséquence après, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, il s'est senti complètement soulagé. Voilà pourquoi il dit merci à Dieu. Frère Nabiso Jonas Mboto, Oyazali Boso Nabiso, Azope Sanzame, merci pour le mystère du royaume, il y a huile d'onction. Bien-aimé, ce qui m'ont sacolé à Moni et si à Moni, et l'autre m'ont sacolé à Moni, n'a pas été évité. Mais mon sacoli à l'obibo y a na ba huile d'onction dimanche. Et ayaki dimanche, ayaka kako pambo la huile d'onction, bongo akei. Frère Nabi Solomi, ayaki pe na service ouana, ayaki pe na huile d'onction. Et tant wazongi na ndaku, papa na yota ki na voyage, et tant wazongi papa zala ki na moutou pasi atroce pe ba gonflement na niveau ya makolo na ye. Frère Nabi Solomi Jonas à l'obibo, a wandre papa. Oui, donc si on a eu un top de signes de prodige, on a eu un sacoli à l'obéla qui est en maloba. Nous avons rappelé mon sacoli à l'obé. Oui, donc si on a eu un sacoli à l'obéla, si on a eu un sacoli à l'obéla, et frère Nabiso a expérimenté un mot, a eu un sacoli à papa Naé, et papa Naé a complètement restauré. Et on a eu un sacoli à merci. Est-ce que vous pouvez me dire merci à ma bonne casse? Votre bien-aimé Jonas vient dire merci à Dieu pour le service de dimanche, puis donc si on. Il dit qu'il avait amené l'huile d'onction pendant que l'homme de Dieu avait béni nos huiles en ces lieux. Il est reparti chez lui à la maison. Il a trouvé son père qui revenait du voyage qui était très souffrant. Et après avoir appliqué l'huile d'onction, il s'est senti complètement soulagé. Voilà pourquoi il revient dire merci à Dieu. Est-ce que Moutoumora Robet et la Yesu Masiya Maboko Makasi? L'obana voisin a la vie est spirituelle. Le frère Junior Owandji, Azope Sanzambe, merci. Pour un changement, pour la délivrance, na vinae. Alobi autrefois, chaque pokwa aux environs de 22 heures, azale ko vivre phénomène moko ya mukusa atroce. Azala ki na mpesete et l'autre côté mais pambarara celui to komi aux environs de 22 heures akobanda komi kuanza ti tongo botana arola la bienté. Mais ayen na top des signes et des prodiges. Akutani na papa en privéte. Kaka maloba o ezobi manesika o. Imposition de même pété. Kaka imposition de parole. Alobi depuis a chama kolonesika o. Azo comprendre te adresse mukusekenda a yemite. Mais akoma kolala complètement sans problème. Et alobi nenga zaboe. Azo senti même na nzoto nae. A senti changement moko e koti. Aza soulagé. Ya onda zo pe santa alexia. Notre bien-aimé vient dire merci à Dieu pour les comptes de sa guérison. Il dit que chaque 22 heures, il avait une habitude qu'il avait développée dans son corps, qu'il ressentait des atroces démangeaisons qu'il ne parvenait pas à y remédier par la médecine. Et ce n'est que par la connaissance apprise en ces lieux depuis qu'il a mis ses pieds au temple des signes et prodiges qu'il a vu et constaté que ces histoires ont complètement disparu. Voilà pourquoi il dit merci à Dieu. Maman Abisso Rachel Kalonda, Azope Sanzame, merci pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration. Maman Lobaki vit na ezalaki na instabilité, ezala na finance, ezala na santé na ye, batu belé, bazalaki na ba nyongo, bazo futate, maman Lobiako sa la voyage, na ba marchandise, bat basomba ka direct, te bazo akara ya ba nyongo, pe ba futakate. Et à part ça, zalaki na ba douleur na niveau ya. C'est-à-dire qu'il peut comme on a ma menstruation, ma règle, n'a pas douleur ma casse. Et maman Alobi a décidé qui Kokuta Nana ambassadeur d'Ayo Samuel a tiré qui message pe papa ayamba qui est nesika oyo. Et tant moyen nesika oyo papa ayambi et prière et zalek awa délivrance ya kafu kafu. Alobi mili mo baneko lo batoche ma nyoka effectivement c'est ce que maman baneko yo ka soki komi era ba période nae azoka douleur nanet et lo komo rezo tambola tambola. Mais alobi juste après prière ya mosakoli, juste après prière ya l'ambassadeur d'Ayo Samuel kozonga azongi ba porte ya finance et fumwami bato bazaki na banyongo ba futi futi banyongo na bango maman alobi afanda kananda kwa famille mendenga zaboe déjà sololi na ba commissionnaire azoluka ndaku po porte ya finance et fumwami et non seulement ça ba douleur na libumu et disparaître et aoti komona ba menstruation na ye. Sans complication, il y a un azopé sans le merci. Est-ce que vous mettez la Yesu Masiya Maboko Makasi? Milolo, Milolo, Milolo. Notre maman vient dire merci à Dieu pour sa délivrance, car l'autre fois, elle menait une vie instable et elle avait aussi des atroces douleurs pour ses menstruations.
Et pour cela, elle a demandé rendez-vous à l'homme de Dieu. Quand elle est venue en cet endroit, papa a prié pour elle. Et après cela, elle est complètement délivrée. Et aujourd'hui, elle a vu sa vie. Elle a constaté qu'il y a des ouvertures financières dans sa vie. Voilà pourquoi elle dit merci à Dieu. Le ban avoisé dans la vie est spirituelle. Nani encore li solo papa beta kaya kefu. Oyo mutuba foule la ke loko kobandana bandundu. Est-ce que encore li solo ana? Est-ce que Robert la Yesu masia maboko maka? Alléluia. Maman na biso tabita. Aye kopé sans nzambe merci pour na délivrance naye. Maman lobi afanei kaka boye Soudan amoni loko mure bandiko bima na mbunzu. Oh bato aminganga babengi kiste. Mais qui c'était eux, Zalaki diabolique. Et où t'as qui na projection satanique de Okaranere papa à l'Obaka. Mais tellement la vie est spirituelle, Satan a moni que délivrance ya maman et Zanesika Oyo. Pour abandonner qui condimada et Samuel T. Azalaki ceux qui m'invitent, Nesika Orbina qui n'est pas passé en Abinoba Nigeria Wana. Mais à comment qui obligé ya condima. Bien aimé à Tabatu Bandi Makate. Bakoza la obligé à continuer Nzambe na yo nanko. Amen. Maman lobi a suivi rendez-vous na ambassadeur da yo Samuel. Et comme on a jour rendez-vous abanda royen esika oyo, ba yi bien téléphone na tela. Ah. Siko yo papa a tinale ke message na téléphone. So ki sko aye awa ndenge ni ne bakondi make, papa ni a benga ki na rendez-vous. Loba la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Mais na miséricorde ya Nzambe, maman ya ki quand même. Et envoyé awa aleki na délivrance ya kafu kafu. Mama lobi après délivrance wana akeye sika zalaka azui photo ya papa dayo. Bible lobi esale mela lolenge onimi. Azui photo ya papa dayo atumbi yango. Azui cendre wana putulu wana a appliquer na kiste place zalaki. Papa dayo atikala kote yango te esale mela yo lolenge o onimi. Maman lobi après avoir ko appliqué cendre wana azana ba image na téléphone kiste e bandiko sopa makila lokola soso bakati kingo maman laxi ba image 3 sachets makila etondi et après cela a keko mona médecin médecin wa ebisa ki déjà maman luka mbongo to ya ko opérer po ba opéra ki déjà mezoni lisusu médecin wana atali alobi maman ezali susu question opération te mami ndengeza boe moi poso o etikali likolo kaka nengi toko kata mais sinon nzambe si asali ndengeza boe aza deja guéri aza deja complètement guéri mais ngai na timi nzambe atata na ngai ata poso o etikali wana nzambe asole mona petit déjeuner est-ce que kobete la Yesu masi ya maboko makasi milolo 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 notre maman vient dire merci à Dieu pour sa guérison. Elle dit un jour, elle était victime d'une projection à distance qui avait développé un kyste sur son front. Et pour cela, elle a demandé rendez-vous à l'homme de Dieu. Et le jour où elle était programmée pour être reçue, pendant qu'elle venait, elle était victime d'un vol de son téléphone. Et pour, malgré cela, elle n'avait pas tergiversé. Elle était décidée juste de venir au temple de Sintes et Produche. Et d'une façon surnaturelle, elle était reçue et elle a passé sous une forte délivrance. Et quand elle a reparti chez elle, elle a pris la photo de l'homme de Dieu, elle a brûlé. Et elle a pris la cendre, elle a appliquée sur son front. Et quelques temps après, le kyste s'était éclaté. Et aujourd'hui, elle est bien portante, malgré qu'il y a des séquelles. Elle dit encore merci à Dieu. Voilà pourquoi alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse. Totomboli maboko na biso. Élevons nos mains. Denge ozo kende na pamboli ko kende na yo. Amen. Na pamboli mukolo etikali na kati ya semaine oyo. J'ai béni les restants des jours dans la semaine. Kobima na yo ko zonga na yo e pambolami. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Kende zonga na témoignage. Va ramener le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci mon Dieu mon roi. Na kobo na Yesu Masia to sambeli. Amen. Amen.